Ti, papa de Soke Lukelo, du fils Ti, papa de Luan Ngani. Nous nous trouvons ici au centre d'accueil Kimonguiste de l'île de France, à la paroisse de Montreuil, 6 au 42 rue de l'Ermitage. Donc, nous venons d'apprendre une information assez importante. Donc, il est utile de lire ça à proprement dite afin que le message soit porté à travers le monde entier. Donc, il est stipulé. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbaou, fondée à Kamba le 6 avril 1921. Ceci, c'est ceux qui sont chargés de l'ordre social, donc la surveillance sociale, le droit social de surveillance kimbaouiste, MSSK. Il est recommandé aux fidèles kimbaouistes 1. De se déchausser dans tous les lieux du culte, car Dieu est présent en tout lieu où son nom est invoqué. Lisez cela dans Exode 3, 1 à 6. 2. S'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le jour sacré, donc le dimanche, jour du Seigneur Tatasimo Kimamu Kiangana. C'est le lire dans Deutéronome 5, verset 14, ou Jérémie 17, verset 22. 3. De ne pas boire les boissons alcoolisées. Lévitique 19, versets 9 à 10, Luc 1, verset 15, et 1 Timothée, chapitre 3, verset 3, évidemment, notre ami Daniel 1, verset 12 à 16. 4. Ne pas danser, ni assister à des danses pour ne pas susciter de mauvais désirs en soi. 5. Ne pas se droguer. C'est mon collègue Luc qui l'a dessiné, qui l'a signifié au chapitre 1, verset 15. Et puis, l'épître de notre ami de Tarse, au Timothée, donc au premier épître, chapitre 3, verset 16. Et encore, Dieu juge, donc Daniel, verset chapitre 1, verset 12 à 16. N'aie pas fumé. Ça, c'est l'île de Lévitique, verset 10, chapitre 10, verset 9 à 10. Et toujours Luc 1. À 15, Daniel aussi, 12 à 16. Ne pas être polygame, ne pas se comporter d'une manière bestiale. Parce que Dieu, quand il a créé Adam, il a créé une Ève. Il n'a pas créé deux Èves pour Adam. Donc, on est des humains, on est des Wadou. Donc, une femme, un homme. Un homme, une femme. Voilà. Et donc, Matthieu 19, verset 4 à 9, Marc 10, 11. Et puis, l'épître de notre ami de Tarse, Paul, aux Corinthiens, dans son premier épître, donc, chapitre 7, verset 10 à 11. 8. Ne pas faire la fornication. En Kikongo, on dit Kuyanga Niko. Donc, tu n'iras pas voir ailleurs. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, abstiens-toi jusqu'à ce que tu puisses trouver ta Ève à toi, ta côte. Donc, voilà. C'est ça, Exode 20, 14, Deutéronome 5, 27 à 28. Ne pas consommer la viande de porc, moulou ou le chimpanzé, Gewa, car ces animaux sont des véhicules des esprits démoniaques. 1 Corinthiens 8, verset 13, 12 à 13, Deutéronome 14, verset 8 et Matthieu 29, verset 32. Et ne pas se laver nu ni dormir nu, car Dieu est avec le croyant à tout moment. Il doit nous voir d'une manière humaine, d'une manière bestiale, parce que les bêtes n'ont pas de vêtements. Ainsi que les Kimbaouis doivent être en tenue décente devant le Seigneur. Donc, il est esprit, il nous voit partout là où il est. Et c'est dans le livre de commencement, chapitre 3, verset 10, ou Jean 21, verset 7. 11. Prier avant de manger, de boire, avant de dormir et de sortir du lit. C'est Matthieu 6, verset 5 à 8. Malachie, chapitre 6, verset 7 à 11. 12. Prier à 6 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 22 heures, à minuit et à 3 heures du matin, pour ceux qui sont encore réveillés. Car la prière est l'arme du croyant de Tata Kimbaou Kiangani. Luc 22, verset 46. 13. Ne pas rendre le mal pour le mal. Papa Simon Kimbaou Kiangani, à l'époque, dans sa première discussion de Simon Kimbaou, il avait dit l'évangile, nous ne devons pas haïr nos ennemis, car on est là pour la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Donc, c'est Matthieu également qui l'a signifié.
l'Équimangus et non violent. Matthieu 5, verset 26 à 38. 14. Chercher à régler sans délai et sans violence tout différent. N'est-ce pas? La compréhension, l'échange. À partir de l'échange, on peut éteindre toutes les compréhensions humaines. Voilà. Ça, c'est donc Matthieu aussi le signifie au verset 5, verset 26, 23 à 26. 15. Se débarrasser momentanément des objets de valeur au moment de la prière comme signe d'humiliation et d'humilité devant Dieu, donc devant Tata Kimangu Piangani, parce qu'il est le Saint-Esprit. Josué 5, verset 15. 16. Se couvrir les cheveux en tout lieu de culte. C'est valable pour les mamans, les jeunes filles et consorts. C'est Corinthiens 11, verset 3 à 7. 17. Se garder de mettre des tenues indécentes. Donc, les tenues appropriées qui font pas le corps en évidence, qui ne mettent pas le corps en évidence. Donc, c'est valable pour les hommes, pour les femmes et pour les jeunes. Deutéronome 22, verset 5. 18. S'abstenir de recourir au talisman, à la magie, au fétiche, à la divination, à toutes les pratiques. Toutes ces pratiques relèvent du pouvoir satanique. Donc, la franc-maçonnerie, la rose-croix, le maïkari et toutes ces communautés culturelles qui sont tendance à vouloir relier les gens en fait dans l'hypocrisie. Exode 20, chapitre 20, donc verset 3, Deutéronome 27 et 15, et Lévitique 19, verset 4, et puis au verset 26, au verset chapitre 26 et verset 1. 19. Ne pas faire partie de toutes ces secrètes. Je l'ai fait ici, c'est le psaume 1 qui le dit, verset 1, le psaume 26 également, verset 4, et le psaume 119, verset 1, et surtout le proverbe, Vingana. Chapitre 1, verset 10, et le chapitre 3, verset 31, et le chapitre 4, verset 14. Donc, franc-maçonnerie, rose-croix, maïkari, talisman, toutes ces pratiques, ces religions occultes là, c'est des religions à l'aspiration intellectuelle. Quand tu vas souvent dans le cas d'études, en fait, sans te rendre compte, tu rentres en faire de fille avec Kadiabemba, Satan. C'est ça. Donc, ça, c'est le verset 19, le point numéro 19. Le point 20. N'est pas provoquer l'avortement. Évidemment, quand tu conçois l'ange qui est déjà dans le corps, il ne faut jamais le tuer. Tu ne tueras point. Exode 21 à 13. 21. N'est pas se maquiller. Donc, tout ce qui est pacotille, chez Genèse 1, verset 26 à 27, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10, et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. N'est pas pleurer les morts amers, ni porter le deuil. Vous savez que la mort, c'est un voyage, c'est une fête. Hein, celui qui nous quitte physiquement, il va reprendre le scaphandre spirituel. Donc, c'est une fête dans les cieux pour les anges. Et nous sommes ici, au désarroi, comme on dit. Là où on lève la dent, c'est vrai, la langue n'arrête pas d'y passer. Bref, donc, oubliez ça, cela, dans le prophétique 10, verset 6 à 7. 23. N'est pas serré les mains pendant le culte. Donc, pendant qu'on est en train de faire une pratique, n'est pas se mettre, le serrer le poignet parce que, papa, c'est moi qui m'a dit en communion. Donc, la personne va se donner le poignet. C'est donc lui qui. 8, verset 46. 24. Travailler le jour de mercredi pour Tata Kimbangu, donc pour l'église. Hein, c'est très important ça. C'est le jour de Kakawanga, action de la couche. On va finir. 25. Confesser les péchés devant le prochain. 26. Payer l'impôt. Matthieu 27. Donc c'est Matthieu 7, 17, verset 24 à 27, et d'autres 38. Je vais finir. Au point 27. N'est pas se quereller. Donc les incompréhensions. Matthieu 5 à 22. Aimer l'ennemi, voilà, Matthieu 5, 43 à 8, Lévitique 18 à 18. Respecter l'autorité pour l'autorité politique établie, parce que tout pouvoir vient forcément de mon cœur. Exode 20, verset 12, et Ephésiens 6, 5 à 8. Et 30, n'est pas pratiquer la contraception. Exode 20 à 13, et finalement le 31, n'est pas garder la barbe, la moustache et les longs cheveux pour nous les vaillants, les hommes. Voilà ce que j'avais à dire pour ce qui est de ce partage ici à la, au centre de cœur Kibongis de Paris, Montreuil. C'était via Congo, comment c'est nommé, j'ai qui, je sais divinité, c'est mon quand même. J'ai la chance d'aller voir en face de moi le politologue Tata Mpuka Maleka, le de son nom le Tata Mpuka, le grand travailleur de Tata Simon Kimbangu à l'époque avec beaucoup de longue dernière d'aboutissement. Et il continue lui, il n'arrête pas parce qu'il est politologue, il sera investi des capacités politiques. Car tel est son métier, on est ainsi terminé. Au nom du Père, Papa Kisongele, du Fils, Papa de Lungana, et de l'Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. A bientôt.